Monsieur Rosaro, que pensez-vous de la mobilisation des bois variés ce soir? Mais écoutez, je crois que c'est vraiment extraordinaire de voir des centaines de personnes, habitants de Douala, venir se rassembler de faire un choix. Et je crois que franchement, je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur la voie de la silence, parce que Boisvin a toujours été au cœur de la politique de la ville des Abîmes. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici à Boisvin. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne voulons pas être le député des Abîmes contre les Mornaniers, contre les Pointois, contre les Maïgaratais, mais nous voulons être vraiment le député de la circonscription qui sont rassemblés sur le niveau de la silence. Des personnes qui sont incapables de tenir conscience des projets de développement de chaque commune. Mondialo avec ce projet de cœur de Gripon et le réaménagement du port de Vous savez que la Abîmes avec son projet de population urbaine et tout le plan pluriannuel d'investissement. Et bien sûr, Maïgalan avec Maïgalan comme développement durable, Et donc, cette île de Maïgalan qui veut donner l'exemple en matière de transition énergétique. Et donc, vous voyez bien que nous sommes prêts, à travailler. Nous avons déjà réalisé des choses aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, dans le cadre de la dernière semaine. Et aujourd'hui, nous voulons profiter de ce réseau de relations, de cette expertise que nous avons pour faire profiter à Mondalo et à Maïgalan de faire en sorte que cette solution soit rassemblée, réunie pour que nous puissions aller vers l'excellence et faire un vrai développement de cette circonscription.